poème, puis la bohème. Ça voulait dire tu es jolie, la bohème, oui la bohème. Une petite pensée pleine de compassion pour les gens qui sont coincés dans leur condo climatisé à Dubaï, à vivre entre les autoroutes et les centres commerciaux. Tenez bon les gars, tenez bon. Je suis débordé, j'ai jamais eu autant de choses à faire. Je suis à la frontière du burn-out et pourtant je me sens super bien. C'est très bizarre, c'est stimulant. Je suis en train de tout repenser dans mon business, en train de bosser sur une grosse formation, en train de lancer un deuxième business avec Félix de service. J'organise aussi des vacances et des week-ends et en plus de ça, bah on a trouvé notre maison de campagne et on a fait une offre. Ça faisait 3 ans que j'étais à la recherche d'une maison de campagne. Et on n'arrivait pas à trouver une maison dans nos critères. Et on en a visité une avant-hier qui est incroyable, qui est magnifique. Il y a une forêt de 3 hectares devant la maison. Enfin voilà, je vais peut-être avoir une forêt, t'imagines. On a eu le coup de cœur. Le lendemain, j'ai fait une offre. Et c'est pas encore signé, hein, rien n'est sûr encore. Faut encore qu'on ait le prêt, tout ça. Mais putain, si on l'a, ça va être un gros changement de vie parce que je pense qu'on va y passer beaucoup de temps. Et je vais te montrer un petit peu tout ça. Et nous avions tous du génie. Il y a quelques mois, j'ai relancé ma newsletter quotidienne avec un objectif, c'est d'atteindre 100 000 inscrits avant la fin de l'année. J'en ai 65 000 aujourd'hui. Et j'ai un problème. Chaque jour, j'ai une cinquantaine de personnes qui se désinscrivent. C'est beaucoup et ça a un coût évidemment puisque un inscrit me coûte entre 2 et 4 euros. Donc je me retrouve facilement avec 200 à 300 euros de perdu tous les jours en désinscription. Regarde, je te montre ça, c'est ma courbe sur ConvertKit. Chaque jour, j'ai une centaine de nouveaux inscrits, mais j'ai aussi une cinquantaine de désinscriptions. Ce qui fait qu'en net, bah, ça fait pas énorme. Et la raison numéro 1 pour laquelle les gens se désinscrivent d'une liste email, c'est quand la fréquence est trop élevée. Et donc le problème quand tu augmentes la fréquence de tes emails, c'est que tu augmentes aussi la fréquence de tes désinscriptions. Donc ce que j'ai fait, c'est au lieu d'avoir un lien de désabonnement à la fin de tous mes emails, bah, j'en ai mis 2. Le premier, c'est se désabonner des emails quotidiens. Et le deuxième, c'est se désabonner de tous les emails. J'ai mis le premier lien en avant. Et donc, quand les gens cliquent dessus, ils arrivent sur une page qui les prévient qu'ils ne recevront plus les emails quotidiens, mais qui continueront à recevoir les emails importants. Pour différencier les deux catégories de personnes, j'utilise des tags. On va voir ce que ça donne et je te partagerai les résultats. Alors en ce moment, tu sais, j'essaie de travailler ma mobilité, ma flexibilité et pour ça, je m'entraîne 2 minutes par jour à faire ce qu'on appelle le squat asiatique. Donc le principe, c'est en fait de faire un squat complet. Il y a des gens pour qui c'est une position de confort, qui ça demande pas d'effort, notamment les Asiatiques. Sauf que pour la plupart des Occidentaux, bah, c'est très difficile, ça fait mal. Mais c'est important parce que ça travaille la flexibilité, l'équilibre, la mobilité. Voilà, j'ai inclus ça dans ma routine, 2 minutes par jour. C'est déjà beaucoup plus facile maintenant que quand j'ai débuté. Alors, je vais faire ma première recette ChatGPT parce que j'ai des trucs dans mon frigo et je sais pas quoi en faire. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça, donc c'est simple. Je vais mettre la liste des ingrédients que j'ai dans mon frigo, dans mes placards, sur ChatGPT et je vais lui demander s'il peut me proposer des recettes à partir de ça. Alors, il m'a proposé 3 recettes. Il y en a qui ont l'air pas mal, il y en a qui ont l'air un petit peu bizarres. J'ai choisi le risotto aux artichauts. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas si ça existe. On va tenter le coup et on va voir si c'est mangeable. Alors, voyons voir ce que ça vaut. Trop bon. Merci ChatGPT. An entirely new AR platform with a revolutionary new product. Natural and intuitive tools, your eyes, hands, and voice. Je viens de regarder la présentation du casque de réalité virtuelle d'Apple et je suis bluffé quoi, c'est incroyable, c'est un tel concentré de technologie. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste en regardant une présentation produit. Technologiquement, c'est tellement impressionnant.
Que ce soit l'écran à l'extérieur qui recrée ton regard, ou l'interface qui se pilote avec des gestes et les yeux, enfin, c'est juste spectaculaire. Moi, j'ai une relation particulière avec Apple. J'ai toujours été fan de cette boîte depuis le premier jour où j'ai tenu un iPod Nano dans les mains. Je me souviens, je devais être adolescent, c'était celui de ma sœur. Et je me suis dit, comment c'est possible qu'un objet technologique soit aussi élégant, avec une interface aussi soignée? J'avais juste jamais vu ça de ma vie, en fait. Et depuis, bah, les produits Apple m'ont accompagné dans ma vie, dans mon travail. C'est avec un MacBook Air que j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. C'est avec un iPhone que je suis en train de filmer ces vlogs aujourd'hui. J'ai une gratitude pour ces produits parce qu'ils m'accompagnent au quotidien et parce qu'ils me permettent de travailler dans un bel environnement. Et pour moi, l'esthétique, c'est plus important que tout le reste. L'esthétique et la fonction. En ce moment, on assiste à des progrès technologiques qui sont tellement bluffants, que ce soit avec Apple ou alors dans le monde de l'intelligence artificielle. On est nombreux à critiquer la technologie et ses dérives, et elles existent, ces dérives. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir du respect, pour la performance. Et aujourd'hui, c'est les entrepreneurs qui révolutionnent le monde. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que je vais l'acheter, ce casque? Et ben franchement, à 3 500 $, je trouve que c'est pas si cher. Parce que en fait, ça remplace plein de produits. Ça remplace un ordinateur, ça remplace une télévision, ça remplace une caméra parce que tu peux filmer avec aussi. Ça remplace une console de jeu aussi. Alors moi je suis pas très jeu vidéo et ce qui m'intéresse le plus c'est la productivité, la création. Et donc en soi je sais pas si j'en ai vraiment besoin. J'ai presque envie de l'acheter juste pour l'histoire. Cette première version qui va peut-être définir une toute nouvelle catégorie de produits de la même manière que le premier iPhone. Donc voilà, moi je suis quand même heureux de vivre à cette époque. Je vois tout ça comme un spectacle et je me laisse avec plaisir embarquer dans cette histoire folle. On va te faire une petite analyse marketing de ce qu'Apple a présenté hier. C'est quand même pas rien, c'est pas tous les jours qu'Apple présente une nouvelle catégorie de produits. La dernière fois c'était en 2014 avec l'Apple Watch. Beaucoup de gens se plaignent que c'est trop cher, évidemment 3 500 $, c'est pas du tout un produit grand public. Et je pense que c'est pas le but. Je pense que leur but c'est de montrer de quoi ils sont capables. Un peu comme une concept car. Et je pense que leur démarche quant à la création de ce produit, ça a été de se dire on veut qu'il n'y ait aucun compromis avec ce produit et on va mettre le temps et l'argent qu'il faut pour ça. Et si c'est un produit qui doit coûter 3 500 $, il coûtera 3 500 $, mais il n'y aura pas de compromis. J'ai l'impression qu'Apple a designé ce produit en commençant par une liste d'objections et en se disant les gens vont pas vouloir porter ce produit, pour quelle raison? Et la raison numéro 1, c'est que ça les isole socialement. Quand ils ont le casque sur les yeux, ils voient pas ce qu'il y a autour d'eux et les gens autour d'eux ne voient pas leur regard. Et ils se sont dit, tant qu'il y aura ce problème d'isolement social, les gens vont pas l'acheter. Et donc ça peut pas marcher. Et donc à ce moment-là, ils auraient pu abandonner ou ils auraient pu lancer le produit avec ce gros compromis. Et ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont choisi une option incroyablement complexe et coûteuse qui consiste à ajouter un écran à l'extérieur du casque qui va afficher un rendu 3D de notre regard. Je sais pas si t'imagines le délire. Et c'est pour ça que ce casque, il est si cher. C'est juste pour répondre à une objection. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, la leçon qu'on peut en tirer, même si, évidemment, on fait des choses qui sont infiniment moins complexes, c'est qu'il y a des objections qui peuvent être des deal breakers. Ça peut être la complexité, ça peut être la pénibilité, ça peut être les barrières techniques, le temps qu'il va falloir investir dedans. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de traiter ces objections après avoir créé le produit. C'est de les traiter simplement au moment de créer la page de vente. Alors que ce qu'il faut faire, si on veut créer un best-seller, c'est de traiter les objections comme Apple, non pas après, mais lors de la conception du produit. Avant même de créer le produit, on va lister les principales objections et on va se poser la question, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le produit pour désamorcer cette objection? Et tu peux inventer des méthodes complètes qui sont basées là-dessus. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai justement une page de vente à faire pour vendre ma formation sur l'IA. J'ai hâte du lancement. Je peux pas. À quel point le sport est-il important pour toi? Très très peu quoi. Je pense que c'est pas hyper important, je pense que vraiment faut rester chez soi. C'est juste que j'ai envie d'être à contre-courant, tu vois. Parce que je suis vraiment un entrepreneur.
Bon, ça fait quelques mois maintenant que j'ai des amis entrepreneurs qui sont inscrits à ma salle de sport. Tu vois, nous les créateurs de contenu, je pense qu'on en a vraiment besoin. Un truc que j'appelle un bain de cerveau. C'est-à-dire on a besoin régulièrement d'être dans des conversations stimulantes sur les sujets qui nous intéressent avec d'autres gens que ça intéresse. Et on trouve pas forcément ces gens-là dans notre entourage proche. On est des gens un peu bizarres. Et donc on a besoin de trouver d'autres gens bizarres comme nous. Et donc là c'est génial parce que j'ai juste allé à la salle de sport, on se retrouve, on discute, c'est super stimulant. Enfin tu vois, ça me fait un bien fou. Si tu cherches un moyen de te motiver à aller à la salle de sport, trouve-toi un workout buddy qui te ressemble, qui a la même passion que toi et tu n'auras plus aucune difficulté à te bouger pour y aller. Bon, je suis super excité là parce que j'ai ma nouvelle formation qui est prête à être lancée. J'ai passé des semaines à essayer de voir comment est-ce que je pouvais utiliser ChatGPT au quotidien dans mon business, pas seulement pour jouer avec de temps en temps, mais vraiment comme un outil indispensable pour générer des idées, pour générer des textes, pour faire des recherches, pour analyser du feedback client. C'est extraordinaire tout ce que j'ai pu faire avec. Donc là, je viens de terminer la page de vente, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'explique que c'est de plus en plus difficile de créer du contenu parce qu'on est face à des créateurs qui ont du budget, qui ont des moyens, qui ont des équipes, et donc quand on se lance, nous, on n'a pas accès à ces avantages injustes. L'IA est en train de rebattre les cartes puisqu'elle permet à ceux qui l'utilisent d'avoir l'équivalent d'un assistant virtuel sur leur ordinateur et dans leur poche. Je vais te montrer comment construire ton super assistant en une semaine, économiser des dizaines d'heures dans ton travail, produire plus de contenu et te libérer du temps pour travailler sur ce qui compte pour toi. Si tu veux voir le programme complet, tu as le lien dans la description. Tu vas voir, il y a plein de choses dans cette formation. Il y a plein de bonus aussi avec. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de vente. En tout cas, je me suis éclaté à la faire, cette formation, et je pense qu'elle peut aider beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Tant que je suis à mon bureau, j'en profite pour te faire un petit feedback de la stratégie que j'ai mis en place il y a 3 jours pour baisser le nombre de désabonnements, et les résultats sont plutôt pas mal. Donc là en gris, on voit les courbes de désabonnement quotidien. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du jour où j'ai mis en place la stratégie, donc c'était le 3 juin 2023, un tiers de désabonnements en moins. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas désabonnés, mais qui ont choisi de ne plus recevoir les emails quotidiens. Et donc, c'est probablement des gens qui auraient fini par se désabonner et qui ont moins de chances de le faire. Ça m'a fait réfléchir à un truc, c'est qu'il ne faut jamais sacraliser ce qu'on fait en tant que créateur de contenu. Parfois, on a tendance à se dire « Ouais, mes contenus, c'est important, je passe beaucoup de temps dessus, c'est précieux, c'est rare, c'est sacré. » Non. Même si tes contenus sont très bien, tu n'es qu'un contenu parmi les autres. Et donc tu vas avoir une partie de ton audience qui est fan de ce que tu fais, qui va vouloir regarder tout et ne pas en rater une seule miette. Tant mieux. Mais tu vas aussi avoir une partie majoritaire de ton audience qui te suit, mais qui te suit de loin, qui lit un mail de temps en temps ou qui regarde une vidéo à l'occasion. C'est des gens qui sont importants parce qu'ils peuvent devenir des fans à terme et aussi parce qu'ils peuvent acheter des produits. Si tu leur envoies trop de contenu, bah tu risques de les fatiguer et risques de se désabonner et donc de plus jamais avoir accès à ce que tu fais. Donc ne sacralise pas ton contenu, respecte l'attention de ton audience et tu devrais voir baisser ton taux de désinscription. Alors tu sais, moi ça fait un peu plus de 10 ans que je me suis lancé sur internet et aujourd'hui j'arrive à un stade où j'ai envie de transmettre, j'ai envie de voir de nouveaux entrepreneurs percer et d'être derrière eux, de pouvoir être là pour les aider. Et moi, une personne qui m'a énormément aidé à construire la boîte que j'ai aujourd'hui, qui a fait 1 million d'euros en un an l'année dernière, c'est un gars qui s'appelle Félix, qui est le premier membre de mon équipe et que j'ai fait rentrer à l'époque parce que j'avais besoin de quelqu'un au support client. Et il a commencé au support client et petit à petit, il y a pris goût, il a commencé à prendre de plus en plus de responsabilités dans la boîte. Et aujourd'hui, il gère à 100% mon entreprise. À côté de ça, Félix a bossé pour d'autres clients et il a développé en 5 ans une vraie expertise. Et il y a quelques mois, Félix est venu me rendre visite à Paris. On s'est dit que ça serait génial de pouvoir mettre notre double expertise au service d'autres entrepreneurs. Et donc on a eu l'idée de créer cette entreprise qu'on a appelée La Forge, une entreprise qui a pour but de libérer les entrepreneurs de toutes les tâches administratives, de mettre notre équipe à leur service, de mettre nos moyens à leur service. Notre but, c'est d'être un peu comme des agents d'artistes, permettre à nos talents d'exercer leurs talents en ayant le moins de barrières techniques possibles entre eux et leur public. On est en train de recruter nos deux premiers talents. On ne veut pas démarrer avec trop de monde parce qu'on veut vraiment trouver les bonnes personnes. Mais évidemment, le but à long terme, c'est de créer quelque chose de gros et d'avoir des talents qui ont un succès extraordinaire. Donc je te donnerai une nouvelle de ce projet parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un projet qui va prendre des années. Mais je pense que c'est très enthousiasmant et je suis heureux qu'on soit lancé là-dedans. Tiens, tu vois, là, je suis devant la porte
d'Emiline Paris. On est dans le 5e arrondissement, c'est mon ancien quartier, j'habitais juste à côté avant. Et maintenant, il y a des touristes qui font la queue toute la journée pour se prendre en photo devant la porte d'entrée d'Emiline Paris. On avait des tournages dans la rue, quasiment tous les mois. Et là où j'habite aujourd'hui, on en a au moins un par semaine. Un jour, ils sont même venus déposer une caméra et des figurants sur le balcon. Bref, on s'ennuie pas. Demain, on retourne visiter la maison de campagne qu'on a repérée pour la faire expertiser. J'essaye de pas trop m'enflammer parce que le bail est pas encore signé, il y a rien de sûr pour l'instant. J'ai tendance à me projeter énormément. Et donc je suis déjà en train d'imaginer comment je vais agencer les pièces, ce que je vais faire dans le jardin. J'ai commencé à apprendre le nom des arbres. C'est mal barré. Si on l'a pas, ça va être une grosse déception. Donc je vais essayer de filmer un petit peu et de te montrer peut-être quelques petites images de la maison et du jardin. À demain. Alors aujourd'hui, je voudrais te faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec ChatGPT en tant que créateur de contenu. Et une de mes façons préférées de l'utiliser, c'est pour générer des idées. Tu es un créateur de contenu spécialisé dans la nutrition. Tu t'adresses à des sportifs qui cherchent à prendre du muscle et à perdre du gras. Trouve 20 concepts de podcast au format talk show que tu pourrais conduire avec un invité. Les concepts doivent être originaux et amusants. Évite les concepts bateaux que l'on voit partout. Pour faire ce prompt, j'utilise un modèle que j'ai appelé le modèle RED. C'est le modèle que je te donne dans la formation Super Assistant 2. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Manger comme une bête dans la cuisine du champion, le match des recettes. Donc toutes ces idées ne sont pas excellentes, mais ChatGPT agit comme un brainstorming. Je vais partir d'une idée et je vais creuser. Alors tu vois, plus on arrive à la fin de la liste, plus on a des idées originales. Par exemple, sous l'océan, explorer le monde de la nutrition marine, des algues et des poissons. Alors j'ai pas envie de faire un format trop niché, donc je vais choisir l'idée numéro 2, dans la cuisine du champion. C'est assez simple et en même temps, ça me permet de faire beaucoup d'émissions parce que ça peut se décliner avec plein d'invités différents. Donc je vais rester dans la conversation et je vais lui demander de me générer un plan d'émission à partager avec mon invité pour l'idée de podcast numéro 2. Donc là, il est en train de me détailler ce qu'on pourrait mettre dans l'émission avec une introduction, une partie parcours culinaire, les superfoods du champion. Alors je suis intrigué par la partie 7, dégustation en direct, et donc je vais lui demander de la développer et de m'aider à la mettre en place concrètement. Je pourrais même peut-être faire tourner mon émission complètement autour de ça. Et là, il m'explique concrètement comment je pourrais diriger cette émission, en commençant par exemple par discuter des arômes qui se dégagent du plat, de son apparence et de sa texture. Il y a la section le moment de vérité, dans laquelle on goûte tous les deux le même plat en décrivant nos premières impressions. Et on a évidemment le verdict qui pourrait être prononcé sur un ton léger. Il termine par quelques conseils pratiques, par exemple, prévoyez plusieurs caméras pour capturer différentes vues des plats pendant la cuisson et la dégustation. Donc tu vois, en creusant un peu avec ChatGPT, en lui demandant de fournir des détails et des idées créatives, on a un super outil pour faire des brainstorming. Pas besoin de réunir 10 créatifs autour d'une table, et à partir de ça, bah, tu peux imaginer des émissions qui n'ont jamais été faites. Tu peux te lancer dans une thématique qui pourrait être faite pour toi et donc l'utiliser pour créer des contenus qui cartonnent. Bon, c'est complètement délirant. Il y a déjà quasiment 100 commandes là qui sont parties en à peine 3h15 depuis que j'ai lancé Super Assistant 2. C'est un de mes lancements les plus rapides. Enfin, j'ai jamais vu ça. Ça me touche énormément de voir autant d'enthousiasme et autant de gens qui me font confiance. Donc, si tu fais partie des clients, merci beaucoup. Gros coup de cœur, avoir sa propre forêt, avoir ses jardins, être au calme, c'est tellement bon, quoi, c'est tellement agréable. Peut-être que d'ici quelques semaines, ce sera ma forêt. Salut Félix, salut Océane. Salut Antoine, salut Océane. Tous les vendredis, on fait un petit call avec Félix et avec l'équipe pour essayer un peu de faire le point sur les projets. Et là, on parle justement un petit peu de la forge. Félix, est-ce que tu es content du lancement ? Je m'attendais pas à autant de candidatures. On a eu à peu près 60-65 candidatures par message. Et on a trouvé vraiment deux profils en or. On m'aurait joui de travailler avec. Ce qu'on veut, c'est développer l'équipe. Pour nous, là, ça va être de construire le pôle acquisition. Ouais, le but, c'est de créer une sorte d'écosystème. À la fois, on construit l'équipe dont on a besoin, nous. Et en même temps, on la met au service de nos talents. Et on essaie de créer une sorte de réseau. Une boucle vertueuse. Tes besoins, c'est les mêmes besoins que tes clients. Voilà. Merci Félix. Quelle chaleur. Bon, ça faisait longtemps que j'hésitais à acheter ça.
Et j'ai passé le cap, je me suis dit pour le vlog ça pourrait être pas mal. Ce truc là, je vais te montrer tout de suite ce que c'est. Alors déjà comment ça s'ouvre. Ok, alors tu sais j'ai beaucoup utilisé le Rode Wireless Go et le Rode Wireless Go 2 pour faire notamment pas mal de vidéos YouTube. Et c'est une petite invention géniale qui permet d'avoir un micro sans fil qui fonctionne bien, qui est facile d'utilisation et qui est relativement fiable. Mais il y a de la concurrence qui est venue un petit peu sur le terrain et qui a proposé des choses qui sont vraiment intéressantes. Et notamment un truc qui est chiant avec les Rode Wireless Go 2. Attends, je vais te montrer. C'est que pour les charger, c'est un petit peu relou. Tu vois, t'as trois boîtiers et chaque boîtier dispose d'un port USB-C, c'est déjà ça. Mais quand tu veux tous les recharger en même temps, par exemple, avant de faire une interview, bah tu te retrouves à devoir avoir plein de câbles et à tous les brancher et c'est chiant. DJI, cette petite entreprise géniale qui fait les fameux drones et le DJI Osmo Pocket que j'ai pas mal utilisé aussi, a sorti ce truc-là. On dirait une très grosse boîte de AirPods et à l'intérieur, magie, exactement la même chose que le Rode Wireless Go 2, mais tout se recharge dans la boîte. Et donc j'ai voulu essayer parce qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités intéressantes, notamment ça, tu vois, tu glisses le port Lightning là-dessus et hop, tu peux le brancher directement sur ton iPhone sans câble. Et donc t'as pas un truc qui pendouille. Et je me suis dit pour les vlogs, ça va être quand même pas mal et donc on va essayer tout de suite. Ok, donc là c'est le son de l'iPhone avec un micro directionnel qui est dessus. Maintenant c'est le son de l'iPhone sans micro, tu vois c'est quand même vachement moins bien. Et maintenant on a le son avec le DJI. Bon, et ben comme tu l'as probablement remarqué, ça marche pas. Et ça m'apprendra à acheter des trucs d'occasion. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu économiser 50 balles. J'ai pris une version d'occasion sur Amazon et je me suis fait à voir. Donc j'ai pas dit mon dernier mot avec ce produit, donc je vais le renvoyer et je vais m'en acheter un autre. Bon, le truc c'est que moi j'aimerais bien avoir mon micro aujourd'hui pour pouvoir le tester dans le vlog et donc il reste peut-être une solution. Bon bah ils en avaient plus en stock, du coup j'ai passé une nouvelle commande sur Amazon et elle arrivera pas avant mardi. Conclusion, Amazon occasion c'est bien pour les bouquins mais pas pour les gadgets. Alors c'est pas très grave parce que j'ai reçu d'autres trucs. Mon bureau est à la fois complètement encombré par les câbles et malgré ça j'ai pas assez de câbles pour charger mes caméras, mes micros, tout ça. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de me faire un joli petit cable management. Je suis passé chez Satechi parce qu'ils font des produits qui sont vraiment top, notamment ça. Ça, c'est comme une multiprise avec que des ports USB-C, il y en a 6 dessus. Et donc, on peut le poser sur le bureau et recharger tous ces appareils. Je vais mettre en place tout ça et on va voir. Alors voilà ce que ça donne. Au lieu d'avoir une grosse multiprise moche, j'ai cette multiprise USB avec tous les câbles directement qui sortent en USB. Ça permet de faire fonctionner ma lampe de bureau qui sert aussi d'éclairage pour mes vidéos, mon MacBook et ce support qui permet de recharger l'iPhone et des AirPods. Bon, mon coiffeur est en vacances. On arrive à la fin de ce vlog et tu sais, j'aime bien terminer par une section un petit peu émotionnelle. Et j'avais pas d'idée. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah simplement, j'ai mis mon prompt sur ChatGPT et je lui ai demandé de me trouver des idées. Tu vois, je mets un prompt le plus détaillé possible pour lui donner un maximum de spécificité sur mon style et mon univers. Et à partir de ça, il va me proposer des sections. Et tu vois, il y a des sections qui me plaisent beaucoup. Par exemple, le bouleversement. Tu proposes un changement radical, que ce soit dans ta vie, ton entreprise ou ta façon de faire les choses, afin de montrer à ton audience que le changement est une partie importante de succès. Ou alors le flashback, tu partages une histoire personnelle ou une expérience passée qui a profondément affecté ta manière de penser ou d'agir. Ou alors le challenge inattendu, tu lances un défi audacieux à ton audience. Et ben tu sais quoi, je pense que je vais choisir le challenge inattendu. Quand j'ai commencé à tester ChatGPT, au début un peu comme tout le monde, j'étais sceptique. Et je me disais, est-ce que ce truc-là est vraiment aussi puissant que les gens le disent? En apprenant à l'utiliser, je me suis rendu compte que ça allait probablement changer la manière dont les créateurs de contenu travaillent. Et donc j'en suis arrivé à la deuxième émotion, qui était la peur. La peur d'être remplacé, la peur que les compétences que j'avais mis tant d'années à développer ne soient plus aussi utiles qu'avant, la peur de devenir obsolète, et je pense qu'en tant qu'être humain, c'est une peur qu'on a tous, et c'est une peur qui est normale. Finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait pas que je laisse mon ego dicter mes choix. Ce serait idiot de pas mettre l'IA à mon service, ce serait idiot de pas utiliser ces outils. Le but, c'est évidemment pas d'arrêter de réfléchir, c'est pas de tout déléguer à l'IA. Le but, c'est de se concentrer sur les forces qu'on a qui ne peuvent pas être remplacées par une IA. Et d'utiliser l'IA comme un outil pour devenir un humain augmenté, un entrepreneur augmenté, qui a une extension à sa créativité naturelle. Et si aujourd'hui, bah, l'IA, ça te fait peur, je te lance un défi.
le défi inhabituel. Et ce défi, c'est pendant une semaine, dans toutes les tâches de ton activité, d'ouvrir une fenêtre ChatGPT et de te demander comment est-ce que tu pourrais l'utiliser, soit pour accélérer la tâche, soit pour produire un meilleur résultat, soit carrément peut-être pour l'éliminer et pour la faire à ta place. Au début, ça va peut-être être difficile, tu vas peut-être résister, tu vas peut-être être déçu de tes résultats, mais petit à petit, en apprenant à l'utiliser, tu vas voir que ça peut vraiment changer ta vie de créateur. Si tu veux te former avec moi pour découvrir mes modèles de prompts à recopier, tous les cas d'utilisation que j'ai trouvé dans mon business, je filme mon écran et je te montre tout ça en détail dans la formation Super Assistant qui est encore normalement en promo pour quelques jours. Si tu regardes cette vidéo juste après sa sortie. Maintenant que tu suives la formation ou pas, je t'encourage quand même à te lancer ce défi. Sur ce, je te laisse. J'ai mon poulet qui est cuit, il faut que j'aille sortir du four. Je t'ai mis lien juste en dessous et je te dis à la prochaine.